Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Ambiance piano, cosy, bon, tout cela est finalement assez habituel. Et pourtant cette semaine, nous allons rencontrer un personnage tout à fait inhabituel. C'est une jeune fille de 27 ans, elle s'appelle Marie Cuisman-Bertou et elle est musicienne. Mais c'est aussi une grande amoureuse du vent, de la mer et de la navigation. Elle a donc installé sur son bateau, la Lady Flo, un piano dont elle joue en concert au hasard de ses escales sur les côtes. Je vous avais bien dit que c'était inhabituel. Bienvenue à bord de la Lady Flo. Cette idée-là, d'où elle vient? Elle est tellement vieille dans ma tête que j'ai l'impression qu'elle fait partie de toute mon histoire, donc j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui a fait qu'elle a grandi comme ça. Il y a eu un livre d'Alessandro Baricco, Novecento Pianiste, la légende du pianiste sur l'océan, qui a contribué à l'imaginaire, on va dire, du projet. Il y a eu un goût pour... une attirance très forte pour la mer, de par des longs voyages en Irlande avec mon père quand j'étais jeune. Donc tout ça mêlé, plus peut-être certainement la lecture de Damien Autour du Monde, de Gérard Janichon, il y a quelques années, qui a été le dernier coup de pied au cul, on va dire. À la fin du bouquin, je l'ai fermé, j'ai dit « Allez, maintenant, c'est parti. Ça ne restera pas un rêve et on y va. » Un piano sur un bateau. Une bien belle idée, surtout quand c'est pour partir à l'assaut du monde. Au gré des flots, avec la lenteur propre à la marine à voile. Là où plus que jamais, il faut savoir donner du temps au temps. Tu veux en prendre un? Ouais. Tu veux prendre un de plus? Tu la tiens auprès comme ça? Ouais. Je vais choquer et... Tu me dis si ça force. Je te filerai la drisse. Ouais, ça marche. C'est bien cette aventure que Marieke Wismans-Bertou et Annelies Le Pellec ont décidé de vivre. Après une toute première tournée en Méditerranée en 2015, les voilà à Belle-Île, au port du Palais, pour la traditionnelle fête de la musique. À bord du voilier, on est deux. C'est une histoire d'amitié, c'est une grande histoire de vie. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans et on a parié qu'on allait réaliser nos rêves. Elle est photographe, elle est reporter, elle est poète, elle est navigatrice, elle s'appelle Annelies. Le prochain morceau a été écrit pour elle. Il s'appelle « The weather, my friend and I », la météo, mon ami et moi. Seven seasons a day give the taste anyway, changing the side of a mountain and turns the moon to rain. The weather, my friend and I, it's a million miles wide, it's deep and blue wide, it's green glittering waters and the vomit of the riders. The sea, my friend and I, the sea, my friend and I. Thank you.
fait vraiment ses études de musique, et puis elle a commencé avec un groupe de musique, et puis voilà, moi de mon côté j'ai fait beaucoup de voyages, j'ai commencé la photo, et à un moment donné on a toujours été connectés, et quand elle a pris ce projet à bras le corps, qu'il y a eu ce bateau, qu'il a fallu le ramener, qu'il a fallu commencer à se dire on fait comment, je lui ai juste dit si tu veux, moi je viens, je t'aide, je sais que c'est un gros projet. J'ai toujours une fascination immense pour les îles, pour les territoires insulaires, pour les cultures insulaires et ces populations. Et le fait de commencer la tournée Bretagne à Belle-Île, ça avait beaucoup de sens, d'autant que sur Belle-Île, c'est vraiment la population, l'association d'écoles de musique, etc., qui ont voulu nous faire venir, qui ont organisé notre venue, et puis ça fait des semaines qu'il y a des interventions dans les écoles, que les gens savent qu'on va arriver, qu'on est attendu. Donc il y a un vrai lien entre la population de Belle-Île et notre équipage, nous, sur le bateau, qui arrivons par la mer. C'est ma passion. Quel âge a le bateau ? Au moins 1000 ans ? Est-ce que quelqu'un a une autre théorie que 1000 ans ? 3 ans. 3 ans. Alors, j'ai 1000 ans d'un côté, 3 ans de l'autre. Le bateau est né en 1982. Pour moi, de faire ça devant les enfants, c'est une manière de dire inventez votre monde, quoi. Vous avez toute la vie devant vous pour inventer votre réalité du monde et la raconter à votre façon. Et il n'y a pas que des chemins tout tracés. Et eux repartent avec les yeux pétillants, mais nous, on repart et on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on fait tout ça. Aller de port en port pour donner des concerts le long des quais, telle est l'essence du projet Piano Océan, monté par Maric. Pour qu'il prenne corps, il fallait trouver la pièce maîtresse, le bateau. Ce sera la Lady Flow. Flow en anglais signifie à la fois le courant de la marée et le flux des paroles d'une chanson. Un nom de baptême prédestiné. Là-bas. Il faut savoir déjà que c'est le seul bateau que j'ai visité, que je l'ai trouvé très vite, que j'en ai pas visité plusieurs en fait. Ça a été vraiment ce bateau-là immédiatement. J'avais branché quelques personnes que je connaissais en Bretagne, mes anciens, notamment un de mes anciens moniteurs de voile, en lui disant je veux un bateau un peu typé. Je lui avais montré mon tatouage avec le... C'est un Galway Hooker, donc un vieux gréement noir irlandais. On dit ça c'est l'image. Mais après, je sais que c'est pas ce bateau-là. Je veux pas naviguer avec un vieux grême, je veux pas naviguer avec un Galway Hooker. Je veux quand même un bateau qui puisse faire de la route, du voyage, etc. Donc c'est... Et le gars m'a appelé en me disant « Écoute, je crois qu'il y a ton bateau au port de l'Orient. Je crois que c'est lui. Viens le voir. » Et quand je suis arrivée, je l'ai vu de loin, c'était lui, quoi. C'était vraiment au début un coup de cœur esthétique et pratique. C'est-à-dire esthétique parce que c'était l'image que j'avais du voilier que je voulais pour représenter ce projet. Je voulais un voilier avec vraiment un cachet, avec... À chaque fois qu'on rentre dans un port, il y a tout le monde qui le regarde, quoi, parce que il a ce côté un peu bateau pirate que les enfants adorent. Les enfants se disent « Oh, il y a un bateau pirate qui rentre !» Les gens qui s'y connaissent en bateau, pareil, ça les interpelle, gréement spécial, etc. Et puis, il y a ce château arrière qui était fait pour le piano, quoi. Depuis qu'on navigue et qu'on croise des bateaux tout le temps, j'ai pas vu de nouveau un bateau sur lequel j'aurais pu installer le piano de façon aussi pratique, avec la cabine arrière et le château arrière qui fait scène.
Ça aurait été des aménagements monumentaux et des transformations énormes sur sur des espaces qui n'étaient pas prévus pour. Là, c'est presque comme si elle attendait que ça, quoi. Puis tu le vois quand tu regardes sur la cabine arrière, tu vois le capot, etc. Tu te dis, bon, il a toujours été comme ça, ce bateau, quoi. Il pleut des seaux jaunes sur les têtes des filles amoureuses de flaques, d'algues, de rafales, de vents vieux qui vous font courir à l'envers, qui font voler ta voix tant que je ne t'entends pas. Il tempête sur la tendresse des dératés qui courent à ne plus savoir qu'aimer, qui pêche des soleils d'oursins frais et font cent fois le tour des mots pour les mouiller. C'est Plutil, c'est un morceau que j'ai composé en anticipant plutôt la tournée de cet été. Même si tout le monde m'a dit qu'en Bretagne il y avait des microclimats partout, fallait commencer à habituer un peu le piano à l'humidité et aux averses spontanées qui arrivent souvent dans ces régions. C'est seulement par très grand beau temps que Marik s'autorise à sortir son piano sur le pont en navigation. Ce joli bébé avec sa coque en carbone pour carapace pèse plus de 200 kilos. Normal qu'il n'aime pas les coups de roulis, de tangage qui pourraient le faire gicler de son socle. Je fais des corrections d'accords régulièrement sur le piano, quasi toutes les semaines, on va dire. Et surtout, ce qu'il faut lui éviter, c'est des chocs de température et d'hygrométrie. On est quand même dans un milieu très humide permanent, mais dans cette humidité permanente, justement, il y a une certaine stabilité qui fait que le piano se comporte pas mal et je pense qu'il va continuer à bien se comporter. Voilier Piano Océan, on arrive d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Très bien, je vous envie, on sera sur le plan d'eau pour t'accueillir. À tout de suite. Merci. Youhou ! Après Belle-Île, une nouvelle île du Ponant attend de pied ferme la Lady Flo. Le petit port d'Edic lui a réservé une place de choix. Ah, bonjour. Pardon. Bonjour. Ok. Eh ben, faut y arriver chez vous. On est arrivé. Salut. Bonjour, Ludovic. Marik, enchanté. Enchanté. Fini d'amarrer le bateau et puis on vient faire la tournée des bises. Dès le lendemain, un premier concert pour les 80 habitants de ce bout de caillou, pour les touristes et plaisanciers présents. J'ai joué des morceaux que j'aimais en fait. Même quand c'était du travail, même quand il fallait que je répète, c'était des choses qui me plaisaient. J'ai eu vraiment des profs qui ont eu cette intelligence-là, d'être attentif à la sensibilité de l'élève. Il faut que ce soit plaisant la musique, il faut qu'on aime les morceaux qu'on travaille, et sinon on se dégoûte vite. Après avoir joué pendant des années dans des salles de concert noires, carrées, avec marqué issue de secours au fond, les gens bien rangés, sur des chaises, de voir la musique dans un cadre vivant, on va dire. Je me dis que c'est... Enfin voilà, la musique, c'est là qu'elle a toute sa place, tout son sens, dans un endroit qui respire, avec les éléments, avec les lumières qui changent, avec les gamins qui courent un petit peu sur les rochers, les amoureux qui peuvent se tenir dans les bras, les gens qui se mettent pieds nus là sur le bord du quai. Il y a une autre atmosphère qui est plus proche, je trouve, de la vie. Pas besoin de vanter les charmes et l'accueil des édiquets. Ils sont bien connus. Marik et Annelise n'échapperont pas à la magie du lieu et cette escale restera un des points forts de leur tournée d'été 2016. Mais comme tout un chacun, elles ne vivent pas que d'amour et d'eau fraîche. Tu savais
de trouver. Les couplets, non. On peut souvent, rapidement, avoir la réflexion de... Ah bah dis donc, ça va la vie, un bateau comme ça et tout. Surtout Lady Flo qui a une, vraiment une gueule. Les gens s'imaginent que ça coûte plus de 200 000 euros. Enfin, et donc je faut prendre du temps à chaque fois pour leur expliquer que je suis intermittente du spectacle, que j'ai fait un prêt à la banque pour acheter le bateau, que voilà, comme tout le monde, comme quelqu'un qui va acheter une maison. Belle-Île, Édic, mais aussi des concerts à la Trinité-sur-Mer, Port-Aliguin, Etel, Lorient à l'occasion du festival interceltique, sans oublier Le Cruesti ou Vannes. Un programme chargé, respecté à la lettre, ce qui n'est pas toujours simple lorsqu'on navigue à la voile. Nous, on fonctionne comme une tournée, donc économiquement ça fonctionne pareil. On vend un spectacle, donc on a différents interlocuteurs. Cette année c'était beaucoup les compagnies des ports, la compagnie des ports du Morbihan, la Célor, mais aussi des communes, des offices du tourisme ou des festivals comme les Francofolies de La Rochelle, ou même des associations comme sur Belle-Île où c'est l'association de la puce à l'oreille qui toute l'année a récolté des fonds à droite à gauche pour pouvoir nous faire venir. Et parallèlement à ça, il y a une autre source de revenus pour faire vivre le projet, le bateau et les membres qui font partie du projet. C'est la vente des albums et des photographies de Lily pour le côté photographie. Et ça, c'est une part non négligeable du projet. J'essaye vraiment de l'expliquer quand je suis sur scène, de dire que acheter un album... de Piano Océan après le concert, c'est vraiment un soutien. Tout ce qui est acheté nous revient pour développer le projet. Donc c'est voilà, c'est le schéma économique qu'on a dessiné. Et bravo et belle tournée. Bonne tournée. Merci beaucoup. Merci, bonne tournée. Là on est au minimum en fait, qui nous permet de vivre et moi j'essaie d'entretenir le bateau du mieux que je peux. Avec grand plaisir. Mais derrière, il y a aussi l'envie, il y a aussi le fait de savoir que si vraiment on a un gros pépin, les gens seront là. Parce que ça fait 2 ans qu'on tourne, ça fait 2 ans qu'on rencontre des gens qui sont touchés par le projet, qui nous ont poussés à continuer, qui nous ont aidés. Je pense que si Piano Océan un jour lance un SOS en disant on vient de... Le moteur vient de cramer, il faut qu'on remette un moteur en moins de 2 semaines pour pouvoir faire telle tournée. Ou... C'est un exemple parmi d'autres. Je pense que les gens seront là et que par du financement participatif ou par des dons, il peut y avoir un élan de solidarité autour du projet. C'est la seule chose qui me rassure un peu et qui me permet de dormir des fois quand je me dis « Oh là là, ouais, est-ce qu'on va y arriver ?» Cela fait maintenant plus de 10 ans que Marik arrive à vivre de sa musique. Elle a joué et chanté tous les styles, salsa, jazz, rock, hip-hop. Mais son cœur a toujours penché du côté des songwriters. Pour elle, ce sont les poètes d'aujourd'hui. Sur l'île d'Edic, elle a trouvé des compagnons de route avec cette chanson composée pour la Lady Flo. Elle fait courir ses doigts sur son piano. Sa voix qui se balade à travers les mâts des bateaux. Sa musique se propage le long des quais. Où prend dans son sillage, dans son voyage, nous fait rêver. Depuis mes 12 ans, 12-13 ans, mon père m'emmenait en Irlande, on partait faire des road trips. Alors lui, il avait sa canne à pêche, il allait de lac en lac pêcher, et on était dans un petit van. Et j'ai appris à avancer, à faire ma route avec la musique, à trouver des vieux pianos dans les pubs, à aller jouer, à rencontrer un musicien qui dit « Ah bah dans 3 jours, je donne un gig dans tel bled, tu te démerdes, tu vas en stop. Est-ce qu'il y a un piano ? Non, bah, je vais prendre une guitare, un accordéon. » Enfin, c'est ce côté débrouille, démerde, et on avance avec la musique. Et ça, je l'ai appris en Irlande. Le titre du paragraphe, c'est J-1, et ben non. Et ben... Maël nous a rejoints à bord. À peine quelques minutes et le voilà à bidouiller le pilote auto, qui ne veut rien savoir, et le propulseur d'étrave, qui n'en pense pas moins.
Bienvenue à bord. Bref, on est prêt. Regarde, hop là, on va pas faire de bêtises. Oh yeah. Elle est cool, hein? Oh, c'est mortel. Et un peu de clapot, hein, regarde, tu vois, on voit deux, trois petites vagues, là. C'est une histoire d'amitié, c'est, voilà, on est des personnes qui avons voyagé ensemble, qui avons créé ensemble, on a commencé à jouer de la musique ensemble, ce qui fait que même dans un petit espace, qui, on est d'accord, demande un peu d'organisation, c'est très naturel, il n'y a pas de, voilà, faire la vaisselle, faire à manger, respecter le silence de l'autre, c'est, enfin, pour le moment, tout se passe bien, pas de mutinerie. Il n'y a pas si longtemps encore, Marick et Anne-Lise n'y connaissaient vraiment rien à la marine à voile. Alors avant de se jeter dans l'aventure piano-océan, il a fallu apprendre, faire fi des légitimes appréhensions. Je faisais du voilier quand j'étais petite fille et la peur n'existait pas. En grandissant, j'avoue que sur un bateau, je suis jamais... Je vis avec une petite boule dans le ventre quand même. Voilà. Me noyer, c'est vraiment parmi mes plus grosses peurs, je pense. Quand je revois la Terre, il y a quand même une joie un peu indicible de dire « Waouh, on l'a fait, quoi !» J'ai... Et si Marick est née en Bretagne du côté de Saint-Brieuc, c'est bien dans les montagnes du Vercors qu'elle a grandi. Aujourd'hui, elle mène et entretient la Lady Flo, tel un vieux loup de mer. C'était un peu un coup de tête de me dire pour être proche de la mer, faut essayer d'apprendre à naviguer, quoi. Et du coup, je me suis offert un stage au Glénan pour voir. Et puis, une fois que tu mords dedans, après, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc, j'attendais mes vacances à chaque fois pour y retourner et puis pour en apprendre plus et toujours plus. La première fois que j'ai navigué sur la Lady Flo, je faisais pas la maline. Je regardais derrière moi pour vérifier qu'on nous suive pas. J'avais l'impression d'avoir piqué le plus beau bateau de l'Orient. J'avais l'impression d'être à la barre du Titanic, quoi. Que c'était vraiment le truc énorme, gigantesque. Et je suis très, très, très impressionnée. Puis maintenant, il y a un autre rapport qui s'est instauré. Comme on vit à bord avec Anne-Lise 6 mois par an. Et puis moi, l'hiver, je suis tout le temps en train de la bricoler. Donc... je commence à la connaître un petit peu mieux. Tu restes sur ton avion pour l'instant? Là, je suis complètement barre à bâbord. Hein. D'accord. Quand on n'a pas les moyens, dès qu'il y a quelque chose qui casse, de dire « Oh, je fais intervenir un électricien qui va venir travailler une semaine, et si ça me coûte 6 000 euros, c'est pas grave. » Ce qui n'est pas notre cas. Ça veut dire que tu vas passer 3 mois sur ton schéma électrique, à poser des questions à droite, à poser des questions à gauche, à avoir 3 avis, à te prendre la tête, mais au bout d'un moment, t'arriveras à le faire. Et voilà. Donc après, ça prend énormément de temps aussi, que tu peux pas passer sur autre chose. Le plus dur dans le voyage est souvent de larguer les amarres, de quitter un lieu où l'on se sentait si bien. La vie de marin a repris ses droits. La Lady Flo n'en est qu'au début de son grand périple aux quatre coins du monde. Allez. Cap vers de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures, de nouvelles chansons. Le piano, c'est vraiment un instrument qui est capable d'une énorme amplitude de variations. Et la mer, c'est pareil. Elle a une amplitude infinie de possibles, de conditions, de couleurs, de caractères, de... Pour moi, c'est vraiment ça. Ce lien-là, c'est vraiment deux éléments dont on n'a pas fini d'apprendre. Quoi. On peut passer sa vie à parcourir les océans, on peut passer sa vie à jouer du piano, on ne se lassera jamais. Quoi.